Bonjour, Endemol, société qui produit la Star Academy, a envoyé il y a quelques heures un communiqué assez incroyable. Star Academy est une grande émission familiale qui réunit tous les publics autour de valeurs de divertissement, de bienveillance et de cohésion. Nous regrettons et condamnons fermement qu'un journal de propagande en totale opposition avec les valeurs de la Star Academy soit apparu dans un tableau hier soir lors de la finale. Nous sommes en train d'enquêter pour comprendre comment celui-ci a été mis en cours de l'émission. Les sanctions nécessaires seront prises en conséquence. Nous présentons nos excuses aux téléspectateurs, aux artistes et aux élèves. Alors je vais vous dire franchement, je crois que très peu de gens avaient vu l'image, et même très peu, donc bon, à part peut-être Tristan Mendès France, hein, qui a dit, donc j'ai dû aller vérifier tellement c'était aberrant. Et oui, quelqu'un à la Star Academy hier soir a donc eu l'idée de donner aux figurants un exemplaire, voire plusieurs, du torchon antisémite et raciste Rivarol, condamné plusieurs fois par la justice. Et c'est vrai que quand tu regardes la photo, on voit bien Martine Rivarol, donc c'est vraiment la même image, donc ça paraît assez incroyable. Donc bah, il va y avoir des gens qui vont se faire virer, mais bon, chose assez incroyable, c'est que bon, bah, personne n'était au courant, ou très peu de gens l'ont vu, c'est que vraiment, il y a des gens qui cherchaient vraiment la bête, parce que franchement, pour trouver, je pense que c'est quelqu'un de chez Rivarol qui a dû regarder l'émission et puis qui se dit, ah, tiens, regarde, c'est pas nous ça. Et ben voilà, ça, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.